Chers frères et sœurs, nous sommes réunis. C'est le cardinal Jean-Claude Turcotte qui nous réunit. Nous sommes réunis pour prier à l'occasion de son décès. Nous sommes réunis pour nous recueillir, pour faire silence, pour présenter le cardinal Turcotte au Seigneur dans notre foi et notre espérance. Nous sommes réunis aussi pour nous soutenir les uns les autres dans ce moment de peine, mais en même temps d'ouverture à la vie. Alors, I want to thank everyone for being here as we pray together. The mere fact of being together, to pray together, is already comforting. And in sadness, we can experience hope, and hope in Jesus Christ, and hope in the gift of eternal life. Le cœur brûlant, a burning heart. Le premier cœur brûlant, c'est le cœur de Dieu. Le cœur brûlant, c'est le cœur qui brûle d'amour. C'est le cœur qui veut aimer. C'est le cœur qui veut répandre la surabondance de son amour. Et le cœur brûlant de Dieu veut répandre la surabondance de son amour sur la terre, sur l'humanité. Jésus-Christ est la révélation du cœur brûlant de Dieu et il est ce cœur brûlant qui nous est donné. Le premier cœur brûlant dans ce monde, c'est Jésus-Christ qui est le cœur du monde parce qu'il est le cœur de l'amour, parce que son cœur brûle d'amour. Mais en même temps, lorsque Jésus-Christ vient dans le monde, le cœur brûlant d'amour pour l'humanité, il veut nous communiquer son amour. Et on voit dans le récit avec les disciples d'Emmaüs que le cœur des disciples eux-mêmes est devenu brûlant parce qu'ils ont rencontré Jésus-Christ au cœur brûlant. Lorsqu'on rencontre Jésus-Christ avec son cœur brûlant d'amour pour l'humanité, pour chacun et chacune d'entre nous, notre cœur devient aussi brûlant. Brûlant d'amour pour Jésus-Christ, mais aussi brûlant d'amour les uns pour les autres. Et le cardinal Turcotte avait au cœur de sa vie Jésus-Christ. Jésus-Christ était pour lui le cœur du monde, était le cœur de sa vie, était le cœur de l'histoire, le cœur de la révélation de l'amour de Dieu. Et il a voulu laisser son cœur devenir brûlant. Il a voulu accueillir le cœur brûlant de Jésus-Christ pour lui-même devenir un cœur brûlant. Et l'apôtre qui rencontre Jésus-Christ et dont le cœur devient brûlant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut communiquer. Il veut que cet amour devienne contagieux. Il veut communiquer cet amour du Christ. Alors nous sommes recueillis, nous venons nous recueillir, nous venons faire silence pour présenter au Seigneur celui qui a voulu vivre de sa vie, tout au long de sa vie et tout au long de sa vie de pasteur, de prêtre et d'évêque. A burning heart is a gift. A burning heart is a heart filled with love, and it's a gift from God. But somehow you have to want to receive that gift. You have to open your heart to the burning heart of Jesus Christ so that your own heart will be burning for others, will be loving others. Is my heart full of love for all of humanity? Is my heart full of love for others? Is my heart full of the love of Christ? If we find that we would like to love more, we can ask Christ to transform our hearts so that we love more with the grace of Jesus Christ. Alors, je vous invite simplement à prendre deux minutes de silence, vraiment pour entrer dans le silence. Pas seulement une pause en attendant que la célébration continue, mais pour que le silence fasse vraiment partie de cette célébration. Deux minutes de silence, de recueillement, où intérieurement, je vous invite à vous mettre devant votre propre foi, devant Jésus-Christ, devant l'amour du Christ, et présenter au Seigneur le cardinal Turcotte, afin que le Seigneur l'accueille dans son cœur brûlant. May the Christ, with his burning heart, welcome Cardinal Turcotte in his burning heart.
So it takes really 2 minutes of silence to present Cardinal Turcotte to the burning heart of Jesus Christ. Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Dieu de miséricorde infinie, nous te prions pour ton serviteur, le cardinal Jean-Claude Turcotte. Tu as voulu qu'au nom du Christ, il conduise l'Église de Montréal. Maintenant que cette Eucharistie l'a purifié, fais-le asseoir à la table du royaume avec le Christ, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Un cordial merci pour votre présence. Quelque part, nous nous sommes exprimés les uns aux autres nos condoléances parce que sa paternité s'exerçait sur nous tous. Et à partir de maintenant, je vous invite à continuer à porter dans la prière et à nous soutenir les uns les autres. Vendredi de la semaine prochaine, vendredi 17 avril, il y aura la funéraille ici même dans la cathédrale à 14h. D'autres détails suivront au début de semaine prochaine. Et donc, ce sera une occasion de célébrer une funéraille dans un esprit de peine qui est la nôtre, mais aussi dans un esprit d'espérance. Thank you for being here, and it's a time of sadness, but also of hope, and let us continue to be united in prayer. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia.